Kelantakaya unchikamalaya sa andagaya umbage, come manga intotela wayasha angayo intoka mangaya, shungaya, mahingaya. Bonsoir, welcome on board, bienvenidos, bienvenidas, kalayanto ke mayasha angaya. Joie de nous retrouver ce soir dans ce merveilleux portail d'éclipse lunaire. Pleine lune en Sagittaire, une grande impulsion cosmique pour nous accompagner à prendre place dans nos rôles, dans nos missions d'âme, dans nos projets de vie, à prendre place dans ce grand changement planétaire et à oser nos fractales de lumière, à oser notre parole, à oser notre rayonnance, à oser s'allier, à oser se soutenir et à oser bâtir le grand renouveau que nous accueillons tous, que nous appelons dans nos âmes depuis maintenant plusieurs, peut-être millénaires. Donc bienvenue à toi qui nous rejoins ce soir, bienvenue à toi qui nous rejoins en replay, bienvenue à toi qui es de passage comme une plume dans le vent des océans, Kalayan Takam. Bienvenue Marie, bienvenue Philippe, bienvenue Isabelle, bienvenue Plume Plume Plume, bienvenue Isabelle, coucou, coucou copine, bienvenue Claudie, bienvenue Fabienne, voilà, joie de nous retrouver, merci d'avoir répondu à cet appel du cœur et d'Alliance des Mondes pour nous offrir un voyage en syntonie des cœurs du rayonnant en nous. Notre cœur guide solaire pour accompagner l'évolution planétaire. Donc pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Anne Solène de mon prénom complet, âme soleil de mon nom de femme médecine que j'ai reçu après avoir passé un certain nombre d'initiations en conscience chamanique en Amazonie il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et voilà, et depuis je marche mon propre chemin et j'accompagne ceux qui ont l'élan de suivre ce grand voyage d'exploration des mondes et de retrouvailles avec notre âme origine, de retrouvailles avec notre conscience du grand vivant, dans la noblesse de notre humilité, de notre sensibilité, de notre authenticité en tant qu'être humain conscient et cohérent et co-créateur de beauté sur la Terre, voilà, dans ces grandes vagues d'énergie que nous recevons et de potentiel de beauté, d'harmonie et d'équilibre des règnes. Ce soir, un rendez-vous d'âme, un Kayan, donc un Kayan en langage des étoiles, c'est une alliance des mondes. C'est un rendez-vous où des êtres de pure conscience vont se réunir de la Terre et des étoiles pour accompagner un collectif dédié à enclencher son mouvement de révolution dans sa dimension d'être-té. Nous traversons actuellement, depuis quelques mois déjà, des grands changements sur la Terre. Des décisions sont prises au niveau local, au niveau régional, au niveau des pays, au niveau mondial. En tout cas, par le peuple humanité. Et ces changements, ces actions, ces prises de position vont être des déclencheurs de grands chemins d'expérience pour les 1000 à 2000 prochaines années. Donc on vit vraiment un point de bascule qui nous avait été annoncé par les prophéties mayas. 2012, et où nous sommes invités individuellement et collectivement à prendre place dans la grandeur de notre humanité, dans la grandeur de notre cœur de conscience, dans la grandeur de notre rayonnement, non pas dans un ego de volonté, de domination, de manipulation ou d'asservissement, mais bien dans la puissance créatrice du cœur rayonnant qui permet à tous les règnes du vivant, visibles et subtils, de la planète et de l'univers dans lequel nous naviguons, de cohésionner, de syntoniser et de d'évolutionner, d'évoluer dans un axe de création, dans un axe créateur qui soit bénéfique pour tous, en conscience, en présence et en déploiement. Chacun y écoutera ce qu'il veut y déposer. Moi, je vous dépose un regard, comme d'hab. Vous êtes maître à bord, vous êtes guide à bord de votre chemin de vie, de ce que vous avez envie de vibrer, de pulser, de parler, de cohésionner, de chanter, de danser, de hurler, de WTF pour ceux qui ont l'élan de pulser un grand ras-le-bol. Ce qui est important d'entendre, et j'ai l'élan de vous le déposer, c'est que vous n'êtes pas seul. Maya unka into tenkaya. La force de la multidimensionnalité, de l'éveil, c'est d'abord de revenir au point zéro origine où tout est connecté, où tous les êtres de vivants de la création sont comme ça, sont vraiment main dans la main et de par les expériences qu'on a vécues, on a pu perdre un petit peu ce sens-là. Mais aujourd'hui, et ce soir, et après-demain, et avant-hier, vraiment j'ai l'élan du cœur de vous déposer que vous êtes soutenus, vous êtes accompagnés et que la tribu, elle est très grande. Quel que soit le nom des tribus qui cohésionnent, qui syntonisent ensemble, dites-vous que sur la planète Terre actuellement, dans le règne humain, il y a énormément d'humanité
qui sont sur les starting blocks qui ont été préparés depuis des années à travers un chemin de métamorphose, d'accouchement de soi, de libération, de wouhou, les âmes qui y vont pour se délester de vieux karmas, de vieilles structures, et que peut-être vous avez senti ces derniers temps qu'il y avait comme... On est prêt, quoi. Il y a quelque chose qui va se passer, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, je ne sais pas, tu sais peut-être, les autres aussi, en tout cas moi je ne sais pas, mais il y a cette sensation profonde qu'on est sur les starting blocks. Certains disent dans la tribu, on est dans les vestiaires, on est prêt à les jouer. Ouais. Donc si tu traverses par rapport à tout ce qui se navigue actuellement un sentiment d'injustice, d'impuissance, de décohésion, de choc, vraiment, parce qu'il y a des trucs, il faut le dire, hein, on ne va pas les nommer là, mais... Waouh, quoi! Ouh! Il y en a, ils fly haut dans le rationnel matière terrestre, quoi. Genre, tout est permis? Non. Tout n'est pas acceptable et tout ne doit pas être accepté. Et soyez vraiment en confiance intérieure qu'il y a énormément d'humains qui sont dans la présence du cœur, qui sont dans la conscience, qui sont dans l'intelligence collective, dans cette sensibilité gigantesque qui est un phare dans l'obscurité. Et qui nous permet à chacun de discerner la justesse dans les propos tenus, dans les actes déposés, dans les informations transmises. Et donc c'est vraiment une force en chacun de nous, cette sensibilité, cette clarté, cette écoute, qui vous donnera la lumière en vous et avec ceux qui vous environnent et qui marchent à vos côtés, de tracer. Et ce soir, on va aller naviguer un Kayan, qui est une invitation des grands rayonnants, des guides solaires du cœur source, de certains univers, voilà, des êtres de conscience pure, qui sont aussi présents sur Terre, qui sont aussi présents en nous, que parfois nous avons peut-être peur d'aller rencontrer, parce que combien de fois on dit « j'ai peur de développer mes dons, mes capacités, ma grandeur ». Ce soir, that's it, quoi. Tu déposes la peur, et tu vas aller rencontrer ta force, ta souveraineté, et pour vraiment être dans cette assise intérieure, dans ta maîtrise intérieure, dans ta présence je suis, où tu es inébranlable. Non seulement tu es inébranlable, depuis un cœur de cohésion, de respiration et de sagesse, c'est-à-dire qui est en compassion, qui est en capacité d'accueillir la différence, d'accueillir le chemin de chacun, d'accueillir les expériences de chacun, mais depuis ce cœur et cette certitude intérieure que tu as ta place dans ce grand bordel, le déploiement de nos ailes, n'est-ce pas, avec un peu d'humour cosmique, et donc de ce fait que tout l'univers, la terre, les élémentaux, le vivant sont avec toi pour y aller maintenant, à l'instant où tu seras enclenché. Donc dans les 3 mois qui vont arriver, je donne un espace linéaire, mais peut-être que vous y êtes déjà depuis 6 mois, il y a vraiment un grand go qui va se manifester. Soyez préparés psychologiquement dans votre cœur et dans votre structure humaine à l'inattendu. Soyez préparés à accueillir quelque chose que vous n'auriez peut-être pas vu venir, ou peut-être quelque chose que vous pressentiez depuis 3, 4, 5, 6 ans, des visions, des ressentis, des perceptions. Et soyez observateurs de cela, de ces messages que vous recevez, non pas pour avoir peur, là c'est bon, la peur on lui a suffisamment donné, elle est à ras-bord, elle a besoin de digérer et d'aller se faire, de se déposer sur un hamac tranquille, on a suffisamment donné à la peur. La peur, la conscience de la peur, elle a fait son job, elle a besoin de vacances, maintenant on va aller donner à la confiance de l'audace, à la confiance de la mise en mouvement, à la confiance de l'assise, à la confiance de l'évolution, à la confiance vraiment de la cohésion, syntonisation, cohésion, mise en mouvement, action. Chacun d'entre vous, dans son unicité, sa singularité, dans sa force, dans sa mouvance intérieure, et n'allez pas chercher avec le mental comment, quoi, que, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon rôle, le quoi, coqui, cocac, tu le déposes au bord du lac et toi, tu y vas tranquille sur ton cheval de feu. Ok ? Donc, je vous dépose un regard, hein. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que ce sera facile, ce qu'on a traversé depuis 1 an et demi, 2 ans a été compliqué. Et je redépose une petite intro. Souvenez-vous, vous étiez en 2014, en 2013, en 2011, en 2016, où tous les ans, on se disait « Ouh, j'espère que ça va se calmer l'an prochain ». Bon, bah, la résultante, c'est qu'on est en 2021 et que ça ne s'est pas vraiment calmé, le truc. Et ça ne va pas se calmer, en fait, parce que Mama Gaïa, la Terre, elle symbiotise avec toutes les énergies du cosmos, elle passe ses propres révolutions, donc elle va continuer, mais à nous en envoyer de l'énergie, quoi, et à nous dire « Allez-y, les enfants, quoi, il est le moment de... »
d'y aller et les consciences de s'éveiller. Et la conscience qui s'éveille, c'est ton chemin d'expérience. Le mien, le tien, chacun a son chemin, sa musicalité. Mais notre symphonie, elle crée un orchestre et cet orchestre, il envoie sa rayonnance et il permet à chacun d'entrer dans sa danse depuis un cœur de conscience pure. Encore une fois, marche ta légende, fais de ta vie une œuvre d'art et accomplis ce dont tu seras fier dans 2000 ans. Quand tu seras dans 2000 ans peut-être en réincarnation et que tu navigueras tes vies karmiques en te souvenant des trucs et tout ça, souviens-toi que tu y étais et que quand tu étais dans cette vie-là, tu as pris place et tu as pris acte depuis ton cœur en justesse de cœur et d'être-té. Voilà. Et c'est là où on va aller ce soir. On va être accompagné, j'ai demandé à l'oracle des guerriers de la terre, que j'aime beaucoup, d'Alana Fairchild, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, Kayan Takam, beaucoup de conscience chamanique, de conscience des êtres accomplis dedans. Quelle était la force qui nous accompagnait ce soir pour ce direct, pour ce Kayan? Et donc c'est le puma qui a jailli. Donc je vous montre, Kaya Antokom. Très belle carte. Et le puma, c'est le pouvoir de l'éveil. Ça ne s'invente pas. Donc en petite introduction, je vais vous lire les quelques mots. Si vous n'avez pas l'oracle et que vous avez l'élan du cœur de l'acquérir, bienvenue à vous. Je ne fais pas trop de pub, mais celui-là, c'est quand même... Enfin, ils sont puissants, quoi. Ils nous aident vraiment avec beaucoup de sagesse. Je vous lis en quelques deux minutes le pouvoir de l'éveil du puma, donc le totem du puma. Donc là, on est en conscience chamanique, hein, vraiment où on syntonise, on est en harmonie avec les forces du vivant, avec les esprits des mondes d'en haut, du milieu, du centre et de tous les autres mondes. Le puma nous dit son message. « Je suis le puma. J'éveille en vous la vigoureuse énergie qui commande d'agir sans délai. Ma patience et mon sens de la stratégie, ma préparation et ma précision, mon courage et ma décision sont désormais les vôtres. Laissez la médecine sacrée du puma remplir votre âme et votre cœur de courage. Vous emparerez alors de nouveau du pouvoir qui est le vôtre. La souveraineté, peut-être vous avez entendu ce mot de plus en plus, la souveraineté de l'âme. Vous y êtes, ne laissez pas la peur ou l'hésitation vous retenir. Appliquez-vous à la tâche. Abandonnez l'image impuissante, éparpillée ou gaspilleuse que vous aviez de vous. Vous êtes capable de vous concentrer et de mettre vos projets en œuvre grâce à des étapes méthodiques. Même si personne ne semble croire à votre succès, futur ou présent, soyez rassurés, en temps voulu, vous serez compris et acclamés. Mais à ce moment-là, vous serez déjà passé à autre chose. Fiez-vous à votre sens du timing et soyez patient. Vous saurez, vous ressentirez quand il faudra faire le grand saut et vous le ferez sans hésitation. Kayan takaya mangayan chakam. Alors je vous invite pour lancer ce kayan, koeman takam, à placer une main sur votre cœur et simplement, depuis votre cœur amour, votre cœur d'unité, à vous relier à la conscience du règne des pumas, Shoya Antakam. Fermez les yeux et laissez venir le puma à vous, ou les pumas à vous, et tous les animaux, tous les êtres qui vont arriver. On va commencer par un ancrage chamanique, c'est ce qui se présente, donc on y va. Kraya Antakam. Teole mangai toteka shangayam. Et accueillez la force du puma, accueillez sa précision, accueillez Koyan Takam, sa patience, accueillez son efficacité. Shaya onemai onteka alangaya. Et je continue de vous lire pendant que vous recevez l'énergie de la reliance dans votre ADN animal. Shaya ombake. Le puma se déplace en silence et avec discrétion. L'observation, la patience, la concentration lui permettent d'accumuler de l'énergie. Quand il frappe, c'est avec précision et efficacité. Il ne gaspille pas ses forces et choisit son moment. L'hésitation n'est pas dans sa nature. Il n'a pas de doute, il n'a pas de temps à perdre en doute et en incertitude quand l'air requiert une participation entière. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez accumulé de l'énergie, des ressources. L'énergie du puma s'accumule silencieusement en vous
et au moment opportun, vous agirez avec une attention infaillible et une implication totale. Peut-être que vous l'ignoriez, mais vous trouverez en vous une capacité de réaction inébranlable. Le puma se déplace furtivement et frappe avec une détermination implacable. Il vous aide ainsi à conserver vos intentions et vos projets à l'abri des oreilles indiscrètes. Mettez-vous au travail et préparez-vous à agir au lieu de parler. Kayo en takamanka. Le puma vous accorde ce soir la force d'assumer un nouveau rôle, de reprendre le contrôle d'un projet, de vous débarrasser de situations toxiques et de faire cesser les pensées négatives. Il indique que vous êtes prêt à passer à autre chose. Yo engayan takam. Le bon usage du pouvoir personnel depuis votre cœur d'écoute divin vous aide à surmonter vos réticences, le mental, et à affirmer votre volonté. Vous en avez besoin pour passer de l'inspiration à l'action et le monde en a besoin. Quels que soient vos rêves d'accomplissement ou vos désirs d'action, le puma vous délivre ce message, vous pouvez le faire. Alors je vous invite à ressentir Kaya Antaka Imange, l'énergie Koya Antakam, votre puissance vectorielle animale, le règne instinctif du vivant en vous, Kaya Antakam, marcher dans tout votre corps et vous reconnecter, clac, à cette vision, à cette force de la sagesse du puma, Bromeya One Tengaya, qui a la patience, qui sait observer. Et lorsqu'il agit, c'est avec précision et il est inébranlable, Maya Ontekem, dans cette assise intérieure, Shaya Antakam, depuis la droiture de votre cœur, Bromewe Ntakayangaya. Et recevez en simultané, Kraya Antakam, les eaux sacrées des eaux cristallines de la cascade d'origine, Bromeya Wenetandaga, qui est en Amazonie, Maya Undeke Eyanga. Et qui vient aider Shoya Antakam, toutes les formes pensées, Krumba Ia Ontekem, qui vous font croire autre chose que ce que vous êtes, qui vous limitent en arrière, Shayandagam, et elles vont les neutraliser, les laisser s'écouler, Mraya Antakam. Donc je vous invite vraiment à vous positionner dans cette cascade d'amour, dans cette cascade dorée, Klaya Antakam, et de permettre à toutes les structures de la psyché qui jouent encore à la peur, Yo Entakam, de la déposer avec gratitude, Brahmaya Antakam. Remercier la peur de vous avoir enseigné, de nous avoir guidés, de nous avoir appris à nous contracter, Maya Hantokem, pour mieux nous expanser, Sha Engayam. J'entends les tambours de résonance de la terre, Bromeya Hantakam, les gardiens de la terre viennent d'arriver, Shahaya Honga Hindo Kema Iyangaya. Et dans cette reliance du cœur, Brahaya Honeka Imaoyon Tekem, je vous invite, toujours les yeux fermés, à tendre vos deux mains, Maya Hangaya, et à vous connecter, Hoya Kuntakam. Avec toutes les belles âmes en conscience unité, Moya Antakam, de la tribu qui sont connectées ce soir et qui sont connectées à travers le temps, Boromaha Yantakam, et ressentez la force du collectif Ya Injo Engaya qui synergise So Ema Iangaya. Ressentez à travers la planète Ole Maria Antakam, toutes les belles âmes Boya Kantakam, et les geckos Klai Antum qui marchent leur voie de l'éveil et qui sont prêts à Ya Ongie. Ressentez la force du groupe, ressentez-vous soutenu, ressentez-vous connecté au Ya Angayam, à vos frères et sœurs d'âme, à votre famille d'âme d'être-té, Moreha Yahandagam. Et accueillez Koi Yahantakam, tous les êtres de tous les peuples rayonnants, de tous les peuples du vivant, Shaya Umme Kenteke, qui vont se montrer à vous maintenant, Blaha Yahanatungye. En chamanisme, nous les appelons les esprits alliés, Koi Yahantakam. Ta propre conscience pure, Maya Hontokum, et toutes les âmes sensibles, Uyehantakam, les êtres du vivant qui viennent à tes côtés se positionner, Shoenga Intokem. Et ressens dans ton corps, Mahaya Hantakam, comment l'énergie circule, Bruhiyando Hemangariya Shanka.
Si tu nous rejoins à cet instant, je t'invite simplement à t'asseoir, à fermer les yeux, à respirer et à ressentir l'énergie Kari Aroengayan Tokam. Et accueillez tous les esprits, toutes les consciences du vivant qui se placent à vos côtés maintenant. Végétaux, animaux, minéraux, bactéries, Kwayahan Takam, esprit divisible, Kwayahan Tokum. Les ancêtres, Maïahan Takam, les titans de la terre, Boyahan Takam, l'union des mondes qui ne fait qu'un, Maya Roche, Karihan Tokum. Laisse-toi penser tout ce à quoi tu penses, Pum, Kayan Tokum. Un avion décolle. Mahumka, on est prêt. Et je vous invite pour enclencher l'énergie, Malahaya Hondekem, à simplement sonoriser, inspire, expire la bouche ouverte et émet le son qui te vient, le son sacré spontané de ton âme. Petit son, grand son, aucun jugement. Si c'est un râle, c'est très bien aussi. Si c'est un c'est très bien aussi. Émane ton son spontané, Kaya Antako Yamangayatan. Et si jamais des chaînes apparaissent, tu inspires et tu souffles et tu les laisses partir. Kla aya ontekem, libération des chaînes. Koiman takam. Kayonde elankahimko. Pour ceux qui se demandent, je suis en train de parler en langage de l'âme, langage des étoiles, kamayantaka, langue origine. Si tu ne comprends pas mentalement, c'est ok, écoute simplement la fréquence dans ton corps. Ya omankanta, l'énergie de conscience circule, maya ontekem. Ok, on amplifie la force du groupe, la Ioenda Imayo Reinkahanka. Peut-être que l'énergie va commencer à se densifier dans votre bassin, peut-être au niveau de la tête, Maya Antakan. Peut-être que vous allez avoir chaud, moi j'ai chaud. Kalai Oehanta Genge. Kua Maya Aya. Voilà, tu peux reposer les mains vers ton corps, Klaya Andagam, et on va enclencher, c'est parti. Donc je vais nous guider en langage de l'âme, Mayahan Takayoengayen Kante. Ce qui est important, c'est simplement de naviguer votre fréquence, vous allez être guidé par votre âme, par votre corps de conscience universelle. Soyez simplement en réceptivité depuis votre corps terrestre d'identité, ce qu'on appelle la personnalité, le mental, Mayahan Takan. Et on va enclencher. Donc je vais vous inviter à vous focaliser, Mahiungayan Takam, depuis la rayonnance de votre cœur. Et là, vous permettez à votre cœur doré or irisé, à votre flamme divine, de grandir. Sha'anga emoken tahekayam. Peut-être que vous aurez des frissons, peut-être que vous aurez le corps qui va se redresser, peut-être qu'il y aura plus de densité. Il n'y a rien à faire avec le mental, c'est vraiment votre énergie naturelle qui se positionne, vos emahyantakam, la conscience spontanée du vivant, aya ongayemke. Ok, on enclenche, vous êtes prêts, on amplifie. Donc là, simplement, tu proclames « J'amplifie ma souveraineté divine en mon humanité. » Et vous laissez être, « Sha'angaya », proclamation de l'être, depuis le cœur d'être-té, en souveraineté, « Mohingaya ». «
L'énergie va commencer à spiraler potentiellement ou à s'amplifier, et à générer un mouvement. Si vous sentez que ça commence à tourner, c'est OK. Si ça frissonne partout, c'est OK. Si vous avez chaud, c'est OK. Si vous toussez, c'est OK. Et quand vous avez l'élan du cœur, je vous invite de nouveau à sonoriser ou à accueillir votre langage des étoiles. On dit langage des étoiles, c'est aussi langage de la terre. Shahangaya. La langue origine, Blahin Gwente. Et si rien ne vient, c'est OK aussi. Ouverture des portails galactiques. Kayanta Karima Shanga Heoenetenga Yahoma Kandaka. Là, je vois le puma doré or irisé de Palenque, Mexique, qui nous accompagne. Kaya Antakari Anjakam, qui est accompagné d'une déité, Malaya Antakam. Mayohe Antakaya Wahashangayam Bakan, qui veille sur l'innocence des cœurs purs, Maya Hontekem. Donc là, recouvrement d'âme, Maya Antakam, de l'innocence du cœur pur, Malaya Antakam. Pour ceux qui l'ont demandé, Sha'io Antakem. Principe de non-ingérence, nous n'intervenons pas s'il n'y a pas eu demande préalable. Brahi Ontakam, Kente. Ok, les baleines cosmiques sont présentes aussi, Mayaha, Shawinetengayam, depuis l'océan d'être-té, Hayahangayam. Et ressentez l'énergie circuler jusque dans vos pieds, Prohe Oenta Hayahungayam. Pureté, gratitude, immensité, enclenchée, c'est parti. Élévation fréquentielle, Kroya Antohe Mangaya Hangaya. Clac, on réenclenche. Bo Anya Untakam. On réenclenche ta souveraineté que tu n'aies plus peur d'être toi, Mahaya Hontekem, et de prendre place et d'agir, Shayo Entekem, pour sortir de la conscience qui se pose un milliard de questions, Mahia Antakam, et enclencher tes mouvements de décision, Mohoya Hentehem Kem. Te ressentir dans ta justesse, Aya Angayam, aligné, Hoe Kantakam, ancré, Paya Haon Kembeke. La force du puma à tes côtés, Brohe Yahone Kembe. Ok, donc les Kayans sont en train de s'activer. On est en cohésion aussi avec Vénus, Jupiter, la Yahantakam, centre d'Orion, Ayanto Kemeng, Ayaho Ngaya, Aldebaran, Shayahantako et Mangayan, et d'autres espaces, Loe Yahantakam. Les grands rayonnants sont arrivés, Shloiha, Nohe et Angari Ontokom, qui sont des êtres de conscience pure, Blahi Ohe Netehe Yekamanga. Merta Gaya est en train d'envoyer énormément d'énergie, Shoheya Honehe Mangahi Tokelahaya Angari Moke Natohe Langahe Moke Hanatumbehe Kene. Kahi Ahanaton Dehe Le Kahi Ohe Nekahi Ontokohe Mengeye Halahi Asha Aya Hongiyem. J'entends libération des codes. Balahia Hanaton Dehe Makahian Chakan, Golehe Yahone Makahian Takam, qui. Mohenge. Qui engendre un programme d'expérience très particulier que l'humanité a peur de l'humanité. Voilà. Lo eno tendo de gama leho endeke mahangaya. Donc ça vient œuvrer au niveau des épaules. Lari o ene kantakam du ventre. Lari o ene takam de toute la structure oyahangayam organique du squelette. Yo enato he amangaya ho ne te haya angaya ho meke no tengaya ole haya honge he maya ontokum. Kaya o enasa ongahi no tenga halasa angahi do te maya sha onge maleho enda hayanga. Tonga hamatun tekem. Ok, réamplification du pouvoir personnel ayahon tekem, bolehe na tungaya. De souveraineté. Ayahana sha'i mario enekentakam. Donc tout est en toi, sha'i mo entekam. Il n'y a rien qui est ajouté, c'est simplement comme des fleurs qui, pium, au soleil et à l'eau, blahi antakam, s'élèvent. Oui, amantakam. Souffle sacré de lahi entakam, bohe entakam, bukem. Clé de vie, aya untekam baka. Enclenchement, Klayahando Gembaga Iasa Angayam.
Ok, les Cayennes sont ouverts, donc dès que vous êtes prêts, Mari un toko mayaha nakon de Gahaya Mangaya, vous pouvez accueillir Bromeyahan toko mala ingoye anatongaya. Votre famille d'âmes des grands rayonnements stellaires, Shari Ahon et Tamari Angaya, qui sont présents sur la Terre aussi, Mraya Ahon Deken. J'accueille ma famille d'âmes des grands rayonnements stellaires, Brohe note hayahonge hala home kana tonge he engaya. Et naturellement, cela va venir activer en vous-même Toeyahangaya, le rayonnant Kayahontokom qui est là. Shaiyahomekantahoyakarimonketenge. Pour répondre à ta question, en deuxième partie, on naviguera pour le collectif, l'Aya Antakam, parce que pour naviguer pour un collectif, ça demande que chaque individualité du collectif soit déjà elle-même dans son alignement. Et vraiment, je vous invite à faire face, vraiment à ressentir en vous l'être pur et puissant que vous êtes. On parle ici de puissance naturelle, hein? Il n'y a aucun ego là-dedans. Hein? Shaya Omekein Takan. N'allez pas vous emparer de mots pour en créer des espaces de 3D. Koya Antakam. Ye Ama Undekenge. Si tu peux tout, où vas-tu prendre place? Chez Aya Onekembeke. Et avec qui vas-tu acter dans la grâce? Chez Aya Omekenteken. J'ai très chaud, j'espère que vous ça va. Sharinke. Un de réacteurs allumés, ça enclenche. Mahéo Tunga. Depuis le cœur, Aya Onteken. Depuis le cœur, Lahia Hantaka. La sagesse du cœur, la compassion, Aya Ontekem. La sensibilité, Moya Hantakam. La force de la vulnérabilité, Sha'aya Anzagam, Tole Maya Hontekem, et aussi la conscience, Maya Hontekem, de qui tu es, Broya Hontekem, non pas par une définition humaine, Sha'aya Hontekem, mais ressens vraiment ta puissance, Sa'aya Antakam, amarrée dans ton bassin, Sha'aya Antakam, Kro Eyom Beke Intonke Haya Hantakam, Barin Doge Maya Santa Kalanta Sha'aya Angayam. Inspire et souffle. Merci au vent, Maya Hondegen. Comme tu dis, de nous aider à propager Sha'aya Oneka Aya Angaya Tonge Helandoge Maya Andokem. Et on expanse, on expanse. Blahia Hondegen. Sa'anka. Et on stimule l'ADN cosmique unifié. Donc là, vous allez commencer à vraiment, normalement, si ce n'est pas déjà le cas, bien pulser. Hein. Inspire, expire. Normalement, tu as les yeux fermés. Tu es vraiment avec toi. Kuma indoge ma ia antoken, kahio e sa anga intoken. Voum. Ok, activation, amplification, purification des chakras vectoriels d'être-té. Et on amplifie. La inokem baga intoken. Ye anakole mahaya sa antato emaya unge. Ye a io inkehene kente. Uniquement par la force de l'amour. Blahaya honete ngahayaka. La conscience pure d'énergie du vivant. Shaya honete maya hanga ye henkete. Si tu nous rejoins maintenant, je t'invite simplement à t'asseoir, à fermer les yeux, à recevoir et à émaner Kolera Yantakam depuis ton cœur d'amour et d'être Tesha Iyonge. Ok, on amplifie Malahi Ahantakam, les grands rayonnants sont positionnés, Shaya Onekembaya Kaya. Et je vais vous inviter, si ce n'est pas déjà le cas, parce que l'énergie arrive bien plus rapidement que ma parole ne s'émane, Ya Angayin Tokem, vous positionnez Shaya Angaya dans une salle de cristaux de la terre, Blamaya Onetengaya. Vous choisissez où vous voulez dans l'intra-terre, Yahandagam, et vous allez dans une des salles des cristaux de la terre, Yemano Teta Yahongeye. Gayada, ya, 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 oh.
Angahe no tenlahi mahi yontekem. Pour t'accompagner, si tu débutes, tu peux simplement imaginer Shaiyahantakam que tu es entouré par une géométrie de grands cristaux de la couleur de ton choix. Donc là, on a les cristaux qui s'amplifient. Malayantakam. Amplification des corps de conscience unifiés, fusion, rayahan, takam, réappropriation, shaya onetengayam. Des corps de cohésion terrestre, laya onekama hindohe kahiahangaham. Ok. Désencodage, activation, déverrouillage maintenant. Reliance à la Terre, au magma planétaire, brahai ohene kahiahon te kahiahangaya. Voilà, et là où vous êtes, vous allez recevoir deux parchemins, Shaya Antakam. Je les nomme comme ça pour que le mental comprenne l'idée, mais potentiellement ce sera sous une autre forme. Vous allez recevoir deux parchemins, Shaya Antakam. Deux pas de chemin. Ok, super. Le Enohe Mahi Oingarin Token. Un parchemin est la situation actuelle. Du point de vue de la planète Terre. Et vous allez ouvrir ce parchemin et regarder, écouter, ressentir les messages de la conscience de la planète. Et la guidance, l'Oenga Inokembe, qui va vous être donnée, Mahi Ahangaya. Je vous invite à ne pas interpréter, accueillez simplement l'information telle qu'elle est et observez-la. Laissez-la rayonner en vous et autour de vous. N'y touchez pas, ya ingahom. Au sens, ne l'interprétez pas. On amplifie. Rayonnance du cœur vibrant de l'âme, amplification. Vous êtes intouchable, sha ingohemke. Encore, dehors, merci. Les Anokenga. Et prenez le temps de cette reliance avec la planète à cet instant précis, depuis là où vous êtes, pour ressentir Shoyahome Kehenakayantoko. Sans vous identifier, simplement accueillir les Engaya Antakam depuis votre grande sensibilité. Donc Mère Terre, la Yahonekem Bakenteke va vous donner Kayahontekem, une vision, Shayahontekem, des options, la Ayandagam, d'évolution, Mayahonekem Beke. Pour le collectif, Yangaham, planétaire. Ne vous attendez à rien et soyez tout, Mahingaya. Moi, j'ai un message qui arrive qui me dit nous vous avons déjà confié beaucoup de plans sur la Terre et tous ont échoué. Vous n'avez pas encore réussi, Kaya Antakam, à vous désintégrer, Loya Antakam, du noyau fusionné de votre ego blessé, Moleho Ndekem. L'humain est un champ de cohérence, Aya Onekahaya Angaya. Unidimensionnel, multidimensionnalisé, va chercher ce que c'est, on ne cherche pas, on accueille. Qui prend forme à chaque instant dans la résonance que vous lui donnez. Vous êtes de nouveau maître de votre expérience et de sa continuité. Le but de l'expérience de l'individualité était de vous permettre de retrouver une plus grande entièreté
dans la collectivité. Ya anga yi tokema ya asha ongeme. Consciente et cohérente, sayo eneken tekem. Non pas soumise et désengagée, shohi amahangaham. Certains ont choisi de s'emparer de l'expérience, laya oneken takam. Ce n'est pas pour cela que vous êtes dépendant, shayo emakan tukem. La peur de la destruction vous mène encore trop souvent à la rétractation. Changez de voix à la omekan tokem. Kolema angaya. Donc là, il y a un deuxième parchemin qui est en train d'arriver. Maya ontekem. Peut-être que vous en avez déjà reçu 6, hein, c'est ok. Et antokem bekem. Et je vous invite à ouvrir le deuxième parchemin. Aya ongaya. Qui est une source d'inspiration du champ des possibles. Du champ des possibles, ka'inke. Il n'est pas nécessaire d'en arriver à la destruction pour renaître encore à la cohésion. Prenez place simplement maintenant dans l'action du mouvement qui vous est impulsé. Par votre conscience éveillée, Sha Iyangaya, chacun en vous, La Iyongaya, chacun entre vous, Shaya Ongaya, chacun avec nous, Maya Ongehenke. Faites beaucoup plus souvent appel au règne du vivant, La Iyongaya. C'est leur planète avant tout, Ma Ongehenke. Ils ne regardent pas l'humain toujours d'un très bon œil car ils ne comprennent pas l'ayo entekem, l'expérience maya antakam que vous vous créez, bromea untekenka. Soyez oyahankaya, compréhensif, la intokem. Soyez vous et cessez de jouer à être autre chose, la iyo engayankantakam. Votre force a toujours été la force des cellules, Blamari o Entekem, telle qu'elle vibre à l'intérieur de votre corps. L'exemple vous est donné depuis votre corps d'être-té incarné, votre physicalité. C'est ainsi, la Ia Ongeye, que vous changerez, la Omenge, toutes les réalités. Nous vous rappelons que ce n'est pas le mental, grand sourire, qui ordonne au cœur de battre. Changez votre perspective. Redessinez l'union et la cohésion. Depuis une nouvelle dimension d'approche sensible du cœur victorieux, la Aya Ongeye, qui vibre la Onekembakan Takam. En chacun de nos cœurs palpitants, Moeya Ontekem, le grand vivant, Sha'inka. Et je vous invite, si vous avez l'élan du cœur et que vous n'avez pas enclenché, si vous avez l'élan vraiment à poser des questions, à enclencher un grand dialogue avec Gaïa, Aya Antakam, avec la terre primordiale ressource unifiée, Maya Antakam, qui est l'ancêtre de Gaïa, Brohe no Tengaya, qui est la planète no Emangaya, d'où est issue notre propre planète, Mahaya Hontekem. Assise des Kayan, lo Engaya.
réappropriation du corps, cœur, âme, source, de sensibilité terrestre en unité céleste. Amplification. Clarté. Aya onge engaham. Acuité. Ko eya antaka iyangaya. Amplification. Shaya antakam. De tous les sens d'incarnation. Maya ore shengaya. Je rends grâce au chant des oiseaux, Plaha. Et à tous les êtres qui nous permettent d'être des êtres vivants sur Terre, Ma'ingo Eno Kenta. Ok. Et on va enclencher le Kayan, Klaya Hantako Manga. Soit univers pour le collectif Terre. Brohe yahana kombeke. Ko yahana tunte halama yaha shangaya. Je vous invite à placer une main sur votre cœur. Vous pourrez à n'importe quel moment de l'espace-temps revenir à ce point ressource de cohésion avec la Terre dans ces chambres de cristal, ces espaces de cristal planétaire et poursuivre la navigation. Anatunge Ayokaya, depuis votre cœur de pureté, Shaya Andokem, depuis un cœur pur, Bla Ume Iantakam. Une main sur le cœur, je vous invite à vous connecter à une planète, la planète Terre, on y est, Kla Iantakam, à une planète, à une étoile, à une constellation, une nébuleuse, un amas, Koya Antakam. Moi j'ai Vénus qui arrive, Mohe Intahungaya. Jupiter, Aya Onkehanka. Et je vous invite simplement à proclamer à haute voix, en sincérité, Aya Onke. J'invite l'irradiation d'amour des guides solaires du cœur source à émaner sur Terre. J'invite l'irradiation d'amour des guides solaires du cœur source à émaner sur Terre. Et vous allez être guidé par votre âme à aller sur certains endroits de la Terre, ici et maintenant, dans votre voyage, pour œuvrer. Laissez-vous guider à Ongahi no Kenge. Il n'y a rien à comprendre.
simplement se laisser être et guider. Ayo enga hintokem. En connexion directe avec la rayonnance des guides solaires du cœur source, Oyahonga Yahankaya. Que certains d'entre nous sont aussi dans leur multidimensionnalité, Sha Iyo Henge Henge. Dépose ton mental et laisse-toi naviguer pour He Maheo Nte Kahanga. Et si le moment vous vient de sonoriser, d'accueillir les sons sacrés de votre âme, Ayahongeye, enjoy, go. Gayana aya 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 om. J'invite le cœur des rayonnants à s'activer. Ayo enga hinto kemaya anna shaka anka. Que les 144 millions puissent rayonner. Paramahio ndehe ke ahome kashi onge enatanka. Kamonge enta shaka. Ungaya, 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 om. Présence lumière origine déployée. Blomea onoto ungaya anga inko henke. Le dôme est en train de se fissurer. Sho enga anka. Je demande aux bienveillants de la terre de nous aider. Blohe note ngaha la kahayanga. Les fourmis nous aident. Shahiyahanga yantakam. Plutôt elles cèdent. Koentohe makandoke. Bahalaha yahala kahinto kehe kaya hongiye. Saha yohenga heino ke mahe ingalehe yakanta hanka. Vous êtes victorieux, Maya Ontekenke. N'en doutez jamais, Aya Onge Enkaha.
chacun dans sa reliance, dans sa souveraineté et dans sa grandeur déployée. Blomeheya Hantakam. Ongahi Antakam, dans ta puissance d'amour doré oririsé, Shoya Angahin Toke Engaya, en tant qu'humain merveilleusement incarné, Shoya Angaya. Cela n'enlève rien aux initiations qui demandent à être passées, Maria Hantakam. Cela permet simplement, Yahon de Game, de fluidifier le mouvement, Aya Antakam, et l'action, Shaya Angahinkon. N'attendez rien et soyez tout. N'attendons rien et soyons tout signifie Kaya Antakam. Que tu ne peux plus être pris par surprise et au dépourvu. C'est terminé, Shoya Angayam. Que faire de toute cette information? Rien, simplement l'accueillir en observation, Maya Antakam. Tu sauras, Aya Onekenge. Je vous invite à vous positionner sur un lieu de la terre et vous allez vous grandir. Vous grandissez, vous grandissez, vous grandissez jusqu'à entourer la planète, ya Angaya, d'une grande géométrie sacrée, mole o yehendegem. Vous allez voir toutes les âmes incarnées sur terre de tous les règnes du vivant, yohe nakahin tokem bakam baka. Font partie du basculement, Shaya Antakam, se connecter, Maya Onekengeye. Ressentez la force de l'immense collectif, Moya Onekentakam, qui est prêt, Ole Aya Antakam. Prêt à quoi? Je ne sais pas, Maya Hangaye. Et ne regardez plus la différence comme une dissonance, simplement comme des chemins d'expérimentation différents, Ye Oneka Ingaye. Ce que je voulais dire, mais ça s'est embrouillé, ne regardons plus. Oui, vous m'aurez comprise, Shoinka. Et vous allez recevoir, je vous invite à tendre la main gauche ou la main droite, celle qui vous conviendra, Maya Hangaya. Et vous allez recevoir un objet, Bromeha Yahonte Kehe Hangaya. Une force, une énergie, Hoya Hangaya. Que vous pourrez déposer, Ohenge, soit en votre corps si c'est là qu'elle est amenée à être déposée, soit sur un lieu de la terre si c'est là qu'elle est amenée à vibrer. Par la conscience pure, Maya Onteken. Et libérer tous les champs de résistance, ça suffit maintenant. Rohingahin Tokam. À chaque fois que tu œuvres, tu œuvres. Tu n'as pas à douter que cela soit réel ou pas. Lo engaya. L'énergie est un continuum bien plus profond de ce que nous en percevons. Mayao neken tekem. Pew.
vous allez changer d'endroit sur la terre, terminera le voyage d'ici un quart d'heure, Mayahan Dakon Tekem. Vous allez changer d'endroit sur la terre, Mayahan Gayam, et vous allez être invité à vous placer à côté d'un des portails planétaires, Ya Onetengaya. Sur terre, dans l'intra-terre, dans la stratosphère, et Anga Ingoende. À Shambhala pour certains, Moyahun Kendekem. Et là, je vous invite à irradier votre lumière, à irradier votre unité, votre conscience pure. Vous rayonnez comme un grand soleil, Shia Yahangaya. Et vous allez sentir votre énergie claque enclenchée avec celle d'une autre belle âme qui est en conscience planétaire durant cette éclipse qui vient de se terminer, Shayo Engie. Comme des points partout qui scintillent sur la Terre, mais ce n'est plus des points là, c'est carrément des... C'est vous quoi. Shayahangahe. Ungayana, Ungaya, 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 Ungaya. Si vous vous retrouvez face à des champs matriciels englués, Kaya Antakam, déposez une goutte de lumière, Mohe Antakam, la conscience du vivant, Shaya Angayam, adore se déployer, Mohe Hentekem, comme une graine dans la terre qui pousse, Oyaha Sha'anka. Et on amplifie. Irradiation d'amour du collectif Terre, Kayohe Nekehi Yahangaya. L'amour de la conscience de la matière, hein. Il ne s'agit pas d'amour amoureux, on est un peu au-delà de ça aujourd'hui, Kayahon Tekem ou dedans, je ne sais pas, Yahangaya, la conscience du vivant, Mayahon Kengye. Hayohe Mahayahon Tekem. Et oui, il est possible d'évoluer technologiquement sans tout détruire, Yahon Takam, évidemment, Mayahanakam. Et si vous avez besoin, j'invite les civilisations qui sont dans l'Alliance des mondes à vous montrer, à vous déposer des visions. D'autres civilisations qui œuvrent sur d'autres plans de conscience et qui sont complètement en harmonie avec tous les règnes de la création, au-delà de leur propre biodiversité éthérique, Shaya Angayam, et leur nature génétique, Moyaha Angahe. Et il n'y a pas à combattre la dualité, Moyaha Antakam. Ceux qui étaient ont peur, Yahongaya. Retournement, Shlo Inga Intokem. Li Aya Anga Inokemaya Anga Yaontokom. Donc là, on me dit, hein, il y a quand même des gens qui ont les mains. Taingaya, qui vont tenter, hein, pas parmi vous, mais qui vont tenter vraiment de pressuriser, hein. De maintenir vraiment dans leurs mains par des choix, par des décisions globales, hein, qui vont tenter de serrer fort en fait, Chaya Rangaya. T'es comme le vent, t'es comme l'eau, hein. L'air, tu peux difficilement l'enfermer, Chaya Rangaya Intokem. Mais il y a vraiment, je vois des. Des champs de désunification de l'âme et du corps, Ayahon et Kayan Tokom, qui feront que certains se sentiront presque comme morts, Alayahon Tekem, déconnectés, Maya Anchakam, de leur source de vitalité, Moyahan Tokem. Je ne sais pas à travers quoi ça passera, Yahan Takam, certains ont beaucoup de créativité, Maya Anchakam. Les One Kayan Totekalahi Ahangaye, One Tangaya, Homengaya, Tokeya Sangaya. Et pas uniquement les peuples de la Terre, hein, ça touche d'autres peuples dans les univers. Maya Antakam, ce qui arrive ici est une résonance interplanétaire. Shaya Andokem, Makaya Andokom. Les Amaya Honegalahi Antotoka Maya Sa'a Ingoye, ça paraît un peu fou, hein, Shaya Angaya, je sais, Maya Hontokom. Les Aya Hontekem, de toute façon, il faut être un peu comme ça pour vivre sur la Terre, hein, Shaya Mantokom Ke. On savait en descendant que ce serait un grand, grand, grand toboggan.
Allons toboganiser, Shayahantakam. Kemalayo enegayahonteka malayahanadunde, kamayahasantakahia oengayahungaya. Il nous est demandé d'écouter depuis cette oreille Ayahan Sakam d'hypersensibilité qui arrive à discerner tous les champs d'information qui sont émis, transmis, proclamés, pour vraiment ressentir la justesse comme une oreille absolue symphonique, la Iahantakam, de ce qu'il y a derrière, et d'aller toucher à l'origine, l'Oyahan Okembeke. Certains seront invités à œuvrer directement, concrètement, dans l'action, dans la matière, dans la troisième dimension de réalité d'expression. Il y a Antakam et d'autres vont être invités à œuvrer dans l'éther, donc de manière un petit peu moins visible, Shoyantakam, mais pour autant très efficace. Il y a Anatongayam. Donc vous inquiétez pas, enfin, je sais que vous inquiétez pas, mais soyez pas surpris si vous allez de plus en plus être amené à réaliser en conscience pure des actions non physiquement incarné, Kaya Antakam, les Aya Onemangaya, c'est aussi pour protéger votre humanité, Brahmaya Ontokum, parce que certains ont trop tendance à attenter à la vie pour mettre un terme, il y a Anatongaya, et ça ce n'est plus permis, Shoila Ingo Hintokem Bakan, Komea Yahana Sanka. Si vous avez des réactions physiques, la Yahana Antakam, du bâillement, si vous avez la médecine du crapaud, ce qu'on appelle les rototo, il y a Antakam, c'est aussi ok, si vous avez des démangeaisons, plahi antakam, si votre cœur a besoin de bouger, votre corps a besoin de bouger, ayahantakam, on y va. Ok, dalayahantakam ayohen, dagalayasha omekentekem. Je vais vous inviter, mayahantakam, nous inviter, mayahondekem, à prendre place, layahantakam, dans un cercle de cohésion planétaire, moyohondekentekem. Ungayana, c'est pas vraiment un cercle, le cercle c'est l'idée pour le corps mental, c'est plutôt un holoïde, hein. Comme un infini multidimensionnel qui œuvre en plein de dimensions, en sacré, voilà, un torus aussi. Hein. Et vous allez aller vraiment dans le torus, donc le torus c'est comme un bagel, taïangaya, enfin je dis un bagel, ils se foutent de moi les esprits en me disant « Ah ouais, c'est pas tout à fait ça, non mais bon, des faits simples ». Ok, klayahantakam, prise mise ayantakam, je vous invite à vous installer dans le torus de la terre, yahangaya. Ça ressemble à un grand bagel, Balayantakam. Dedans, il y a des toroloïdes, Balayantakam, et on y va, et on envoie. Et depuis cet endroit de la Terre où vous êtes envoyé, peut-être là où vous êtes aujourd'hui, ou à un autre endroit à travers le temps et les dimensions, vous allez simplement rayonner. Et là, vous vous placez dans votre Bouddha cosmique, et vous émanez votre être. Vous émanez pas l'intention de la paix, de l'amour, etc. Non, vous émanez, Kaya Antakam, ce que vous êtes intrinsèquement, Sha Ingaya. Vous permettez à votre énergie, voum, 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 de s'expanser. J'entends rayonnement du 13e guerrier activé. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, néanmoins cela a l'air important. Et anga intoke anga am. Ok, ils me disent quitter la notion de guerre, de guerrier et tout ça. Ils me disent arrêtez. Ça a changé, passez vraiment dans une nouvelle fréquence d'action, de mouvement. Koya Andagam, que vous définirez selon votre propre sonorité, Maya Angayam. On appelle les rayonnants sur la terre, Shaya Anatungayam Bege. Des êtres de sagesse, Shaya Antakam, qui œuvrent en cohésion des mondes, Maya Anokehiya Angaya, qui écoutent la nature, Laya Antakam, dont ils font partie, Shaya Ongayam. Et qui œuvre Maya Onteke, main dans la manche, Oyahantakam, depuis l'intelligence du grand vivant, Oyahantakam, qui circule en chacun d'entre nous, tout règne confondu, ici et maintenant, Bla Iangaya. J'invite les grands rayonnants, Shaya Angayam, à s'exprimer maintenant, Bla Iahonteke. Grand rayonnant que tu es, Mahingo. Okay, donc on reçoit beaucoup de... Il y a de l'énergie, ouais. Des fois, je m'auto-fais rire toute seule. T'es rigolote, ils me disent, oui. Donc, il y a beaucoup d'énergie. Voilà, Klai Antakam. Donc là, on reçoit beaucoup de joie.
les guides solaires du cœur source qui envoient, hein, foum, 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 foum. Alors, qui envoient pas que sur la Terre, certains sur la Terre et d'autres tout autour, hein, mais ça envoie des encodages, vraiment des clés, kla'ia antakam, de désenchantement pour libérer les enchantements, mayahon dekem, et rentrer dans l'émerveillement, kwayahon doko et ahankahion teke imbaka. Insiste, prends place en ta souveraineté, ayahon tekem, ta souveraineté de maître rayonnant incarné, sha ingohen teke lahangaya sawangamin tote kalamangon deke ia anka. Les 144 000 qui vous ont été évoqués sont bien plus nombreux que cela. Prends place en qui tu es, tout simplement, Maya Antakam, sans te demander, Shoei Ahangaya, à chaque instant, si tu es légitime ou pas, Blamaya Antakam. Go, vas-y, Yohenke. Mise en mouvement, Maya Antakam. Passe à l'action, Shoei Hingayam. Prends place, Loei Hingayam. Écoute ton inspiration, ton intuition depuis ton haut cœur de guérison sacrée, Shaya Onge Hengaya. Puis ton cœur vers émeraude d'être-té, Mlaria Honeke, depuis les roses de ta beauté, Maya Angaya. Embrasse toutes tes souffrances, Maya Antakam, connotant d'expérience, Saya Honetengaya, d'apprentissage, Bomehia Hengaya, et de métissage, Bohe Yohenengaya. Accueille ta force, la Ringo Henke. Présent, Shahanka. J'insiste. Présent, Shahanka. Et tu peux le dire. Présent, Shahanka. Klahanga, hé. Présent, Shahanka. Présent, c'est présent, je suis. Je suis Klahanking. Je cesse de me confondre avec une version de moi-même qui ne sait rien et qui ne peut rien. La ringo e no tenga ya hamaka unke. Accueille-toi, Brahma unde kahinka. Kolingaya so yambeyem. Wandantayam. Ils ne peuvent rien contre vous, Maya Hangaya. Ils ne peuvent rien, Shaya Angaya. Ils ont tellement peur, Malahia Oneken, Taho Ngaye Ongaye. Mohengaya. Ton énergie ne peut pas être volée, Shaya Angaya. J'ai une belle âme qui me parle. Quitte cette idée, Loe Angaya. Tahenga. Si on a pu à un moment donné s'emparer de ton énergie, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un système qui disait que c'était possible. Yo Engaya Ontekem. Et aujourd'hui, tu récupères Mlari ou Ndege Henga. Tu es force du grand vivant sur la terre et regarde tous tes alliés sur tes épaules. Regarde les papillons, regarde les branches des arbres, regarde les racines qui t'enlacent. Yehanaka Hindokem. Ils me disent, son joli, souvenez-vous d'Avatar, Moyehan Doke Hemakan Takam. Cet art, ce film a outil. Ayoke Moeka. D'accord, j'en parle pas. Yohenga Henga. Voilà, et ressentez-vous tour à tour animal, plante, éther, air. Ressentez-vous toute la nature du grand vivant, Mayaho Ngeye. Et soyez prêts à Ongeye. Le quand, le comment ne nous appartient pas. Patience, force du puma, vision claire, acuité, prêt à agir. Avec précision, détermination et sourire, clé Ingaya. Nous serons invités à prendre place, Maya Antakam, par notre cœur, par notre âme, Maya Ongeye. À enclencher les mouvements déjà qui ont déjà commencé pour beaucoup, Maya Angaya. Et je demande humblement à recevoir de nos alliés la force de l'assise Kayoene Kengaya, la stabilité en mouvement, Maya Ontekem, pour ne plus être décontenancé, perturbé, Shaya Anga Enke, tel le surfeur Maya Ontekem, avec ses frères et sœurs qui surfent aussi, Ya Angaya, propulsé par l'océan. Te Oya Angayam. Ressentez vraiment cette puissance des océans, Sha Ingo Hengeye, qui va se déverser, Moya Antakam,
ici et maintenant, Sho Inga Onkehe. Et si tout recommençait depuis un point zéro inexploré pour notre humanité, quelle lettre de noblesse donnerions-nous, la Ia Angaya? Quelle conscience marcherions-nous, Maya Onekenteke? Nous sommes prêts, allons-y, Sha Inga Heke. Et je vous invite avec amour, Yahon Dekem Malahangaya, à poser vos deux mains, paumes vers le ciel, dans la direction qui vous conviendra. Écoutez le mudra naturel, le Sha In naturel de votre corps, Ye Anga Inko Yenke. Et je vous invite à vous remercier, Maya Handakam, d'être une grande humanité, Ole Aya Angaya. D'avoir le courage, l'audace, Ye Entakam, de l'action juste au moment juste. Impulsé par votre cœur d'être-té, Yo Enga Inko Enke, dans votre corps bien ancré, Sha Ingaya. Je dis votre, je dis notre. Yaungaya, c'est un mot du langage humain, Mahe Nekende. Et je vous invite à nous reprendre les mains, Mlahayahana Kantakam, une main qui donne, une main qui reçoit, paume de main vers le ciel, paume de main vers la terre, Mureheyan Dokembe, à resyntoniser la synergie, Kayahangaya, et quand vous sentez l'énergie dans vos mains, Mayahon Tekem. Inspirez, expirez, sonorisez. Et on y va pour 2-3 minutes de chant sacré ensemble pour incarner les fréquences déployées. Sho Engie. Kaya Angaya. Et Angaya, et vous allez créer avec vos mains de lumière, Mayahana Tonge, une sphère d'énergie, Sho Enga Enge. De la taille qui vous viendra. Soyez généreux avec vous-même et avec la planète, Koya Angaya. Et vous allez demander, vous allez créer cette sphère d'énergie, donc vous la laissez émaner. Vous verrez vos mains, il y a une résistance en fait quand on les pose. Keyo Enga Hanka.
Et vous allez demander à votre conscience, à votre cœur, dans quelle zone engluée de la 3D vous allez l'envoyer. Donc vous allez l'envoyer sur la matrice 3D, il y a Angaya, et vous allez l'envoyer dans un endroit où vraiment c'est gluant. Kaya Oentekem. Ou je ne sais pas, c'est votre A, Shaya Angaya. Et vraiment, vous l'envoyez. Sans intention, volonté personnelle, par le cœur de résonance de votre unité, l'énergie universelle qui vient d'être condensée par votre structure humaine va pouvoir démultiplier sa puissance dans la résonance de la matrice, Shaaya Angaya. Et elle va aller déliter ce qui est englué, Mohengaha, pour le collectif. Elle va donner de la force aussi. Ah, on va en faire une autre, Yahangaya. Quand vous avez envoyé la première, quand vous avez envoyé la première dans la matrice, Mayahantakam, là où vous aviez rendez-vous pour la déposer, Shahiyahangaya, vous allez en créer une deuxième, Mayahantokum. Peut-être que ce sera une sphère, peut-être que ce sera un cube, Mayahantokum, vous verrez, Kohiyahangaya. Cœur d'être T vectorialisé, unifié, Mayahangaya, vous la laissez grandir, Shohiyahangaya. Si elle est immense, c'est super. Si elle est toute petite, c'est super. Il n'y a pas de petit et de grand dans l'énergie, Shaiyahangaya. Si tu prends l'énergie Tachyon, c'est infiniment petit et c'est extrêmement puissant, Mahiyahangaya. Et quand vous êtes prêt, vous allez l'envoyer aux belles lumières de la planète qui ont besoin de force et de soutien. Et vous l'envoyez sur le réseau. Puis on va créer encore une, Mahayanga, encore une sphère de conscience pure, d'énergie pure, depuis votre cœur de rayonnance. Donc ce n'est pas votre énergie que vous donnez, c'est vraiment, comment j'explique ça? C'est votre alchimiste, Kaihangaya. Vous symbiotisez, vous créez un vecteur de lumière. Donc là, moi j'ai par exemple un cylindre en face de moi. C'est un cylindre d'énergie pure, intouchable, qui est un cylindre d'énergie du cœur pur, Mahayangaya. Et vous l'envoyez, vous allez le déposer, vous l'envoyez, Kaihangayam, au grand vivant, Mayahongeye, pour que tous les êtres qui ont besoin de cette nature d'énergie, tous les êtres de cœur pur et de conscience pure, Mayahangayam, intouchable, Sha'inka, puissent en bénéficier. Peut-être les eaux de la terre, peut-être les arbres, peut-être les fourmis, peut-être les fées, Kaihangayam. Vous l'envoyez. Et je reprécise, cette énergie est vectoriellement intouchable autrement que par des cœurs purs. La ingo enka eka. Peut-être vous observerez où est-ce qu'elle va. Ça peut être un cadeau de savoir ou pas. Ce n'est pas important. Maya angaya. J'ai un cylindre qui est en train de descendre dans les océans. Sha iya angaya. Ces cylindres d'énergie sont aussi des forces de création qui vont inspirer les êtres du vivant, à inspirer les humains, à créer pour le collectif de la planète Terre. Typiquement, ce sont des énergies qui peuvent générer du génie créateur, Yahangaya, inspiré depuis le cœur de conscience, Mayahangaya, qui vont inspirer à la fois les règnes du vivant et évidemment par résonance, les humains concernés, Shayahangaya, à avoir des idées novatrices, innovantes, pour créer et bâtir des systèmes, Yahantakam, destinés à l'harmonie et à la beauté du grand vivant, Shaiyangaya. Puis
Puis on va dévectorialiser l'énergie libre là aussi, parce qu'il commence à nous énerver un peu tout cela. Kaya anga yento ke malaya anashanga imo kenta kaya ongehe. Balaya honteka yahasha angaya ontekem. Yo ema yahantakam. Utiliser vraiment depuis une conscience, une maîtrise, une bienveillance et une bonté. Sho iya angaya en responsabilité ma i ongeya. À 4, 3, 2, maintenant. Ka-ingo. Voilà. Et tranquillement, toujours les yeux fermés, je vous invite à refermer votre espace de navigation en plaçant les mains sur le cœur ou de la manière qui vous convient. Ya anga intoke ma ya ancha kayon tekem. Voya angaya, à accueillir votre force d'assurance, maya anatunde ala iya angaya, en votre guidance, maya onchekem, pour vraiment grandir en assurance, sa iya angaya. Être sûr que tout le vivant, décidément, sa iya angaya, est avec vous pour placer l'acte et la décision juste qui enclenchera le grand mouvement. Ya emonteka iya angaya. Toela aya ome kente. C'est fou. Moi j'adore, c'est pour ça que ça m'émerveille complètement. Ye onetanga ilo kema ya ashangaya. Toema ka ino gema anto. Alors, ma ino, ma ino, ma ino. Donc nous avons commencé ce Kayan avec le soutien et l'énergie de la sagesse du Puma, qui était le 3, le pouvoir de l'éveil, la créativité. Et je viens de faire appel en fin de Kayan à une nouvelle guidance de l'oracle, l'Aya Antakam, et nous avons le 22, chiffre maître, avec Ingoniyama, l'honneur de l'ancien roi, qui est donc le lion. Donc le puma en entrée, le lion en clôture, Sha'iya Angaya. Et qui nous dit, l'ancien roi des Zoulous vous livre un message valorisant. Vous êtes destiné à jouir d'une véritable indépendance. Votre courage, votre sagesse et votre dignité projettent une lumière considérable, à même de pousser les autres vers leur accomplissement. Si vous doutiez de vous-même et de vos visions, laissez désormais votre cœur rugir, car vous triompherez de tous les obstacles et réaliserez vos désirs. Cet oracle indique l'éveil, le renforcement et la guérison de l'énergie masculine. Cette guérison est pertinente à la fois sur le plan physique et psychologique. Le dynamisme, l'intégrité, la justice et la protection sont les bénéfices de la réconciliation avec le masculin. Reconnaissez votre pouvoir et ne restez pas dans l'ombre. Conservez votre énergie et prenez du repos afin de faire entendre votre voix le moment venu. Vous êtes un protecteur, une protectrice, un dirigeant, une dirigeante. Faites en sorte d'éveiller votre courage et votre audace et refusez d'être rabaissé. Fiez-vous à votre dignité et à votre divinité intérieure. En Zoulou, Ingoniyama désigne le lion, mais aussi la posture du souverain qui dispense la justice et la miséricorde. C'est l'esprit du masculin qui redresse les torts. Chez les êtres humains, hommes ou femmes, la conscience masculine défend le féminin en se mettant au service de ses valeurs. Elle est essentielle pour triompher de la procrastination, de l'hésitation, de la peur, du doute et de l'inertie. C'est l'épée de discernement. Et je vous invite à accueillir l'épée d'Ingoniyama et à le proclamer. J'accueille l'épée d'Ingoyama, d'Ingoniyama. L'épée du discernement, de l'intégrité, de la force et de l'honnêteté. Et là, il y a le lion qui... C'est fou. Lorsque j'ai commencé à donner les méditations de conscience unité il y a quelques années maintenant, elles s'appelaient les Metacool Lion Meditation. Et le lion qui était venu pour m'aider à les donner, parce que ça demandait beaucoup, beaucoup d'alignement, de droiture et d'intégrité et de force,
C'était donc le Metacool Lion. Et quel sourire d'avoir l'honneur de l'ancien roi Ingo Niyama qui revient ce soir, Mayao Shenke Henke. C'est magnifique. Je continue à vous transmettre la force, Shaiyahangaya. L'oracle d'Ingo Niyama vous apporte la médecine du lion. Je vous invite à écouter, à ressentir. Le lion est l'image archétypale de pouvoir, de force et de courage. Mais surtout, le lion d'Ingo Niyama véhicule l'énergie de ceux qui doivent être vus et entendus. Soyez sans crainte et confiant dans votre pouvoir spirituel et faites entendre votre voix. Elle sera entendue et aura son effet. Elle repoussera les ténèbres qui freinent votre but et le but de ceux que vous aimez et que vous protégez. Shuingaya. Parfois, c'est le féminin qui doit prendre les devants, parfois le masculin. Il ne s'agit pas là ni d'homme ni de femme, mais de traits vibratoires, d'énergie universelle. L'heure est venue pour vous de mettre en mouvement ces forces-là pour votre succès. Le discernement, la décision, l'ordre et l'élagage de l'inutile font partie de ces forces. Ingo Niyama qui s'écrit I-N-G-O-N-Y-A-M-A. On exige davantage de vous aujourd'hui parce que vos actes et vos paroles sont de grande portée. Entendez bien, vos actes et vos paroles sont de grande portée. Une responsabilité morale accrue est un garde-fou essentiel afin que le pouvoir serve aujourd'hui le grand esprit et non plus les projets personnels. Ah là là, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Alors, si vous êtes prêts à partager cette pratique d'élévation en guérison, je vous invite à dire à voix haute, si ça résonne juste en votre cœur, vous êtes maître à bord de votre élévation. Une main sur le cœur, par l'autorité spirituelle du lion christique de Judée, je repousse les ténèbres des influences négatives. Je les repousse hors de moi, hors de mes proches et hors de mon cercle. Je les repousse hors des événements mondiaux, c'est écrit, hors de l'avenir commun. Puissent tous les dirigeants se soumettre à la sagesse pour le plus grand de tous les êtres vivants. Par le pouvoir du grand esprit d'amour, ainsi soit-il, cela est. Kaya anto kemala iyangaya, to enga iyo ishangaya. Chacun marche sa conscience et qu'elle soit en résonance dans l'unité des mondes. Brahma iyo entekem. Oui, c'est impressionnant cette carte. C'est ça la magie. Les messages arrivent toujours comme ils doivent arriver. Klayahantakam. Alors, Mayahandagam, on me demande de fermer par une prière de l'esprit. Shaya onteke yangaya. Alors, je vous invite simplement à placer vos deux mains sur le cœur d'être-té au centre, Mayahangaya, et à sonoriser ensemble un chant de gratitude, de bénédiction et de compassion. Koyahangaya. Donc, accueillez simplement un chant de gratitude en bénédiction et en compassion et émanez-le. Kayahangaya dans toutes les directions. Pour tous les êtres qui œuvrent, pour donner de la force aussi à ceux qui prennent des décisions, d'être dans leur cœur de cohésion souverain et de ne plus craindre, de ne plus avoir peur et de penser vraiment depuis leur cœur d'amour, la Iyahangaya. Quand vous êtes prêts, inspirez et on sonorise le son, les chants de l'âme qui vous viennent, pour permettre aussi à ceux qui ont des difficultés, qui prennent des décisions qui ne vont pas dans le sens de leurs vraies valeurs, de se repositionner et d'enclencher un nouveau mouvement directeur depuis un cœur bienveillant. Bienveillant. Hayahanka. Gayana, oyana, oyana. Gayana,
Saya saya na saya. Ongaya, 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 yana yana sane. Om, 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 om. Kongayamba, kayangaya sayambe. Chongaya, kongaya yamamangayambe. Kaya kayanda, kaya onenga ya zahamba wen. Konga yomba ye, to ye ma yamba yanga ya en. Uunga, konga ya sananda chen. Chamba yomba ye, ko ye ga ya sanda wen ben. Konga yangaya, chonga ye sa yamba wamben. Mama, mama we, ko ye zaya zaya zamba we. Merci à vous de votre belle présence en ce kayan. Donc le kayan n'est pas une méditation, c'est un kayan. J'utilise le mot méditation parce qu'il est plus accessible au champ de conscience mentale. Néanmoins, ce sont des kayans. Et les kayans, ce sont des alliances des mondes dans lesquelles nous prenons place en notre souveraineté d'être-té, en rappel à notre humanité qu'elle n'est pas une toute petite chose enfermée, kaya angayenke, et qu'elle est vraiment, que nous sommes chacun d'entre nous, main dans la main avec le grand vivant, un immense vecteur de co-création, de beauté sur la terre, de l'émergence de l'évolution, de l'émergence de la compréhension, de l'apprentissage et de l'élévation, Chaya Angaya. Et chacun en nous, au-delà des blessures que nous portons vraiment le graal de la cohésion, de l'amour, de la beauté, de la compréhension et de la noble humilité, Chaya Angaya. Et même si parfois le chemin est difficile, inconfortable, c'est ok, Kaya Angaya. Tu vas y arriver, Maya Oneken Takam, parce que tu es qui tu es et ne te permets plus d'en douter, Shaya Angayam. Il n'y a aucun ego dans l'assurance intérieure. Il s'agit vraiment d'une grande présence du cœur, depuis ta sensibilité, depuis tes arts déployés, depuis ta conscience christique unifiée, depuis ton immense multidimensionnalité. Et cette cohésion des mondes que chacun d'entre nous porte est l'unité. C'est elle qui porte la cohésion du règne humanité vers sa prochaine étape d'expérimentation, de la co-création avec tous les règnes de la biodiversité. Ya Anga Intokem. Et si sur des générations et notre génération encore nous commettons des erreurs, gardez à l'esprit que nous avons à chaque instant la possibilité de modifier ce qui fut et de rebâtir ce qui est, et que rien n'est jamais terminé. La Inga Inokenke. Bienvenue en ce Kayan, Chaya Angaya. Je rends grâce à tous les êtres, la Iwentekem, qui ont participé, qui m'ont accompagné à le préparer depuis que Mama Gaïa nous a impulsé. La mère terre origine source, la mère terre de Gaïa, la Reya Hangaya, la terre dans laquelle nous vivons, est elle-même une émanation d'une terre bien plus vaste, la Iwengehentekem. Donc merci à ce Kayan, merci à vous de vibrer votre divinité, votre autorité de lumière, votre généreuse compassion, votre sagesse. Et gardez à l'esprit qu'en toute situation, vous avez le verbe pur. Vous avez, depuis votre cœur à l'écoute,
la parole qui élève, la parole qui ouvre les zones engluées, la parole qui ne veut pas, la parole qui émane. Et cette parole, Kaya Antakam, est un baume pour le cœur de tous les êtres. Et partagez, 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 partagez. Partagez avec tous les êtres de la nature, du vivant. Soyez en compassion avec ceux, celles et qui n'y croient pas, qui sont encore dans leur dimension et qui la vivent pleinement. Observez simplement cela comme un champ d'expérience et tracez votre voie dans le grand rayonnant que vous êtes, la Ingayenke. Merci à vous infiniment. Prenez le temps d'intégrer. Il y a eu beaucoup de soins dans ce Kayan, Shaingo Entekem, beaucoup d'activation. Beaucoup, c'est faible, mais c'est un mot, Yahantakam. Ressentez vraiment ce qui va se naviguer en votre être-té, les champs des possibles qui vont s'ouvrir, non, c'est fini ça. Tu quittes la souffrance, tu n'as plus besoin de la souffrance. On l'a beaucoup remercié, beaucoup utilisé, elle a le droit de se reposer maintenant. La conscience de la souffrance et les esprits alliés ont le droit de se reposer. Et soyez à l'écoute que toutes ces années, tout ce chemin parcouru vous a préparé pour la suite. On a eu la première vague avec quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir ou peut-être sans y croire, il y aura une deuxième vague. Sha'inga intokem beke. Pas de la même chose forcément, maya antakam, et ça nous demandera d'être grand, d'être fort, de se rassembler et d'y aller en fait. De cesser d'avoir peur et d'y aller. Parce que la vie qu'on nous a confiée, c'est un atome dans le parchemin des vies que nous avons marché. Mayo intekem. Alors soyez votre légende, soyez votre joie, soyez ce que vous êtes profondément, croyez en vous, délivrez-vous des croyances d'impuissance, écoutez, ne cherchez pas absolument à agir, soyez simplement dans l'écoute de l'instant. Et si vous devez être en repos, profitez-en. C'est comme l'univers, inspiration, repos, contraction, repos, expansion. Voilà. Koemahaya hangaya, toleha ingaya. Et je remercie tous les êtres qui nous font conscience pour ouvrir ces espaces qui ont permis cette sécurité. Ouvrir un live de cette dimension sur Facebook avec du public qui navigue, je vous assure que c'est un art, vraiment. Et c'est parce que nous sommes cohésionnés, parce que nous sommes syntonisés au sens que nous nous plaçons dans notre alignement, que l'énergie circule et que rien, absolument rien, ne peut l'ébranler. Merci au Puma. Je vous écrirai le nom de ce merveilleux allié, la Anga Intokem. Je suis invitée à vous lire les propos d'introduction qui disent attribué à un sage Hopi anonyme, donc un message de la nation des Hopi d'Arizona. Il existe une rivière dont le débit s'est accéléré. Il est si puissant et si rapide que certains s'en effraient. Déchiré, il se cramponne à la rive et souffre grandement. Sachez que cette rivière a une destination. Les sages disent que nous devons nous immerger dans son courant et garder les yeux ouverts et la tête haute. Et moi je dis, voyez ceux qui sont avec vous et réjouissez-vous. Car si nous ne cessons pas de nous prendre au sérieux, nous stopperons notre croissance spirituelle. L'époque du loup solitaire est révolue, rassemblez-vous et bannissez le mot lutte de votre vocabulaire. Tout ce que nous ferons désormais devra obéir au rituel sacré. C'est nous que nous attendions et nous nous sommes retrouvés. La Inga Intokem. Nous sommes des bâtisseurs de lumière. Sha'aya Hantakam. Alors soyez prêts, Inga Intokem, pour le pas suivant dans votre éternité. Maya Angaya. Gratitude, merci à vous. Belle intégration. Déposez-nous en commentaire vos partages, votre héritage, votre choix. N'hésitez pas à partager ce Kayan si vous sentez qu'il pourrait être bénéfique pour d'autres belles âmes. Et Angaya qui soit en bienveillance. Ingoen Takaya Manga. Et je tiens particulièrement à titre personnel à remercier mon corps physique qui est en voltage 5 milliards de volts depuis la semaine dernière où nous étions en formation avec les orfèvres de l'âme. Donc là, ça commence à faire de longues journées.
Et néanmoins, il était important d'honorer tous ces grands passages cosmiques. Donc merci à vous, merci à nous et merci à tous ceux qui œuvrent sur la Terre depuis leur tradition, depuis leur courage, depuis leur beauté, à cette conscience, à ces retrouvailles d'unité. Shayan Gayam. Prenez soin de vous, belle tribu d'amour. Je vous donne rendez-vous prochainement. Le pop-up de dernière minute suite à l'éveil âme de lundi, j'ai des belles âmes qui m'ont demandé s'il est possible d'avoir un soin de recouvrement d'âme. Et donc, il est fort possible que samedi ou dimanche, peut-être samedi, je ne sais pas encore, j'ouvre un espace de soins de recouvrement d'âme sur le groupe de la tribu des méditations de conscience unité. Je vais m'écouter, sentir si mon humanité a la force de cohésionner pour agréger cette énergie pour le collectif. Et si c'est le cas, on se retrouvera ce week-end, samedi ou dimanche, donc pour un soin de recouvrement d'âme. Ou peut-être pour complètement autre chose. Et après, les prochaines nouvelles, je vais vous déposer cette semaine trois informations. La première, le cursus court Passeur d'âme émeraude qui aura lieu online le week-end du 25-27 juin. Donc là, c'est pour révéler votre passeur d'âme d'amour, les bases fondamentales de tout accompagnement énergétique. Le cursus sur l'éveil des champs de l'âme, le langage origine, le langage stellaire, les shahines de lumière, l'écriture stellaire commencera à partir de juillet. Il aura lieu sur 6 mois. C'est un cursus d'activation, de maîtrise et de compréhension de toute cette dimension sacrée des champs, des paroles de l'âme, qui sont des espaces de très haute puissance et qui demandent vraiment de la connaissance, de l'alignement, pas de la connaissance mentale, mais vraiment de la une droiture de cœur. Donc on enclenchera le cursus court à partir de juillet. J'ai 2 autres cursus qui vont naître. Un premier cursus sur la voix du tambour pour accompagner les belles âmes de la tribu qui ont des tambours chamaniques et qui ne savent pas vraiment comment rentrer dans l'espace sacré avec eux. Donc là, on aura un atelier sur, je pense, 2-3 sessions. Et puis voilà, si vous avez d'autres souhaits, n'hésitez pas à les déposer ou à m'envoyer un messenger. Et je vous dépose aussi que plusieurs d'entre vous m'ont demandé si j'accompagnais en individuel. Actuellement, je suis vraiment dédiée à l'accompagnement en collectif. Ça demande énormément d'énergie de guider des soins, des voyages avec 200, 300, 400, 500 belles âmes. C'est beaucoup, 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 beaucoup de maîtrise, de préparation, plusieurs journées, semaines avant. Donc, en fait, je n'accompagne pas en individuel. Néanmoins, j'ai l'élan du cœur de vous déposer un poste de présentation des orfèvres de l'âme, qui sont des humanités magnifiques, voilà, des frères et des sœurs d'âme qui sont venus en formation avec moi, certains les chams de lumière, les chams stellaires et les orfèvres de l'âme depuis 2 ans maintenant, et que j'ai initiés aux soins quantiques, aux soins de conscience unité, mais qui sont les soins de leur art sacré. Parce que moi, mon art, c'est de vous accompagner à révéler vos arts sacrés, votre unicité, votre singularité, votre grandeur unique. Donc du coup, les orfèvres de l'âme sont vraiment des personnes qui sont dans le cœur, dans la droiture, dans l'ancrage, dans l'alignement, et qui ont des arts sacrés d'accompagnement individuel vraiment très très beaux. Donc je vous déposerai un post d'ici la fin de semaine avec certains d'entre eux qui ont bien souhaité se déposer publiquement. Voilà, en général, on est assez discret. Et si vous avez l'élan d'être accompagné sur votre chemin de vie en ce moment en individuel, voilà, ressentez le grand oui du cœur vers la personne qui vous appellera. Et n'hésitez pas à les contacter. Kala Ingaya. Voilà. Et donc voilà, les orfèvres que je forme. Quand moi je forme en soins de conscience unité, on est en présentiel et puis on y va sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans pour ceux qui veulent passer en maîtrise. Donc c'est vraiment des formations profondes, complexes et très alignées. Donc soyez les bienvenus, merci aux orfèvres, merci à vous tous de cheminer vos arts sacrés, merci à toutes les belles âmes qui nous accompagnent, qui s'accompagnent, merci à tous les bâtisseurs de lumière, merci à tous ceux d'entre vous qui sont dans des entreprises et qui émanent leur lumière, qui permettent à la conscience de naviguer, de s'éveiller dans le cœur de tous ceux qui en ont besoin. Merci à toutes les belles âmes qui plantent des graines, merci aux gardiens des terres aussi, aux gardiens, aux accompagnants des animaux, à tous ceux qui créent des géométries sacrées, aux gardiens des pierres, aux veilleurs de l'eau. Merci à toutes les belles âmes qui œuvrent sur des projets de dépollution de la planète, à toutes les belles âmes qui œuvrent à faire jaillir leur génie créateur à l'écoute du mouvement de vie pour créer des nouveaux systèmes d'interaction avec le vivant, d'énergie renouvelable, qui sont
bénéfique et non polluante, etc. Alors, c'est moi qui dis ça, qui voyage beaucoup. Oui, j'essaye d'être cohérente, mais je suis aussi envoyée aux quatre coins du monde pour œuvrer. Donc, ce n'est pas toujours facile d'être 100% à 2000%, mais voilà, ça fait partie aussi de ma mission et je l'accepte aujourd'hui telle qu'elle. Voilà, donc merci à vous tous qui créez, merci à vous tous qui engendrez la résonance d'une nouvelle civilisation humaine. C'est comme ça que moi je l'appelle. Certains l'appellent la nouvelle Terre, moi je l'appelle la nouvelle civilisation parce que je crois que c'est l'émergence d'une civilisation nouvelle à laquelle nous assistons, nous co-créons, nous aspirons aujourd'hui. Donc merci à chacun d'entre vous et voilà, j'ai parlé Inga Inkata. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous en tribu pour nous accompagner à, voilà, à cheminer et à déployer notre beauté ensemble sur cette belle planète qui nous accompagne et qui nous accueille dans sa générosité. Cha inga hintoke malahingaya sa ingayantaka.